Ici Loupinam pour l'épisode numéro 42 du 100 bébé challenge, si je ne me trompe pas. La dernière fois, Elantia avait grandi, Alexis Sims Prod était né, et voilà, c'est le week-end. Alors, Kéraline est debout. Eh bien, Kéraline, ma petite sauterelle. Tout va bien pour toi normalement. Ah non, il faut que tu fasses ça, d'accord. Alors, dans quoi tu es bonne ? Dans un peu tout en fait, donc ça c'est bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller jouer à ça. Seb, mon petit lapin, tu vas jouer à la poupée, ça t'occupera si ça veut bien. Il est trop mignon. Ah, j'avais pas vu ce pyjama. Parce que moi j'ai juste relooké cette nuit de base, j'ai pas tout relooké, enfin j'ai oublié. Oula. Tu vas nous faire un pissou, Clara ? Mais plus vite que ça. Et il y a un truc qui est cassé. Le lave-vaisselle. Alexis, tu nous saoules. Changer la couche. Est-ce que tu peux éventuellement cuisiner un petit truc ? Tranquille. Oh, du pain perdu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tiens. C'est cool, ma vie. J'espère que vous m'entendez pas déglutir, parce que c'est pas très... C'est pas tip-top, quoi. Et toi, il faut que tu augmentes ta compétence. Donc, à la limite, tu vas allumer le truc. La musique baroque. Va danser là-dessus, quoi. Et Clémentine ? Clémentine qui est enceinte, je vous le rappelle, de je ne sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais pas changer mes habitudes, je vais appeler Uvario, tiens. J'espère qu'il va pouvoir venir, on va juste faire ça. Hop là. On va appeler Uvario, ce sera notre prochain papa. Il arrive, c'est parfait. Clémentine, je te laisse le temps de te changer, mets-toi en bombasse, comme ça. Il arrive donc, le voilà. Alors, on va le faire bien comme il faut. Oh, et l'autre qui chiale. Clara, je t'en supplie, occupe-toi de ce petit relou chiant. Une toile réaliste, c'est parfait. Donc, Clémentine, ma petite. Alors, tu vas être drôle. Tu vas le complimenter. Faire une petite imitation. Discuter de la théorie des couleurs, puisque c'est important. Très important. Mais qu'est-ce qui est fou ? Oh, non, mais sérieusement. Tu vas lui demander s'il est célibataire. On va dire déjà qu'il est beau. Tu es beau ? Es-tu célibataire ? T'imagines, t'accostes un mec dans la rue. Salut, t'es beau ? T'es célibataire ? Il est célibataire, donc ça, c'est très bien. Eh ben, on va y aller, les mecs. Hein. On va commencer par le draguer bien gentiment. J'espère qu'il va répondre. Il a l'air d'être plutôt favorable à tout ça. Ouh, ils sont déjà chauds patates. Ils sont déjà chauds patates, mais en même temps, elle est tellement jolie, Clémentine. Compliment de son apparence. Échange vos numéros de téléphone. C'est débile. Comment ils peuvent s'appeler s'ils n'ont pas leur numéro ? Échanger leur email, à la limite, ce serait plus crédible, quoi. C'est un romantique, c'est sûrement pour ça qu'il se laisse totalement charmer. Le premier baiser. On y va. On n'a pas le temps. Franchement, on l'a dragué en 2 minutes, là. Toi, Jacqueline,
Comment tu vas? Est-ce que c'est bon du coup? Oui, c'est bon. Alors tu vas arrêter de faire le chimpanzé et tu vas aller manger un truc. Et l'ancien. Très sexy, l'ancien. Seb, t'en es où? C'est bon. Donc tu vas aussi aller manger. T'en es à combien de créativité? 3? Oh, bah, pour ce qui reste. Attends, pour ce qui reste. Pour ce qui reste, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Du coup, va manger cette fois. Clara, je pense que t'as bientôt fini. Non, pas du tout. Ok. Attends, Bernard, là. Reviens ici. Faire crac-crac. Viens, on va kem. Oui, vas-y, demande bien devant tout le monde s'il veut, surtout. Qu'est-ce qu'il a, le petit? Ah, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qui est dégoûtant? C'est un truc dans ton inventaire? Bah non, pourtant. Bah, je sais pas. Ah oui, la flaque d'eau, peut-être. Ça aide pas beaucoup. Et l'Antia, t'en es où? Oh, dégueu. Hop! T'en es où, Elantia? Est-ce que t'avais fini tes devoirs? Oui, c'est bien ça. Et au niveau 1, ok. Pourquoi dégoût? Mais qu'est-ce qui est dégoûtant ici? Alors, toi, t'as fini. Encadrer la toile et vendre un collectionneur. On va nourrir le petit Seb. Et tu vas aller jardiner, Clara. Entretenir le jardin. Est-ce que c'est fini? C'est fini, c'est parfait. On va te demander bien gentiment de partir. On va se rhabiller. Et on va en inviter un autre. Allez! Du coup, est-ce que tu vas bien au moins? Bah oui, ça va super. Donc, tu vas inviter Michael. Michael, pardon. Invite-le tout de suite. Quoi, tweet, oui, c'est bien. Il arrive, donc ça, c'est parfait. Toi, tu viens ici. Du coup, bon, je sais pas trop ce que tu peux faire. Vous avez qu'à aller jouer à la poupée tous les deux, hein? Écoutez, les gars. Jouer à la poupée avec Seb. Voilà. Est-ce qu'il est là, l'autre Bernard? Il est toujours pas là. Allez, Michael, dépêche-toi. Bah, qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Il vient ou comment ça se passe? Ah, le voilà. Salut, beau gosse. Bon, alors pareil, hein, on va y aller direct. De toute façon, on est déjà chaud patate. J'espère que ça va marcher. Ok, il est buggé. Ok, non mais les gars, faut arrêter d'être con. J'espère qu'il est célibataire, sinon on va se prendre un gros râteau. Clémentine peut désormais baratiner d'autres Sims. Ok. Donc il est romantique, donc ça doit aider. Enlacer. Draguer. Il y avait flirté là. Non, baratiner. Vas-y, baratine-le. Dis-lui que c'est ton premier amour, etc. Putain, on peut déjà faire le premier baiser, c'est abusé! Abusé! Comment on l'a eu en un tour de main, quoi, le mec. Prendre une pose sexy. Allez, faire crac-crac, s'il vous plaît. Et voilà, au suivant. C'est horrible! C'est horrible! Quoi! Ensuite, on va lui dire gentiment de se casser et on va en prendre un autre. Mais oui! Ah, tu peux faire évoluer ça, c'est bien ça. Les murs, ça rapporte tellement. Tu vas aller t'occuper de ton petit-fils qui pleure et qui nous enquiquine. Du coup, c'est bon, donc tu vas gentiment lui dire de se casser. Tu vas prendre une douche et ensuite tu vas inviter un autre mec. Wolfgang, donc. On va faire ça. Allez, voilà, casse-toi. C'est horrible. Et franchement, trop d'un coup, là. J'en veux plus de moi.
T'en es au niveau 2 en danse. Oh mon Dieu, en plus c'est... J'avais pas fait attention à ça quand j'ai mis la piste de danse. C'est-à-dire que Elancia vient de voir sa mère copuler avec deux mecs différents. Magnifique. Je pense que c'est génial. C'est tout simplement génial, écoutez. Mais non. Bah c'est la vie, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut augmenter le truc de danse ou pas du tout? Oui, on peut. Donc c'est parfait. Voilà. Hop. Il arrive ou pas l'autre? Quoi? Au revoir. Mais oui, bah il est parti, non? Non, t'as rame, on s'en fout de toi. Donc, il est parti. Alors, viens là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Peins une toile, fais quelque chose. Oh, mais on a tellement d'argent et on n'est pas censé payer des factures? Non, toujours pas. Allez, Wolfgang, là, dépêche-toi. Oula, Clara, par contre, ça va pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Oh, tout ce qu'elle a. Ah oui, d'ailleurs. On pouvait changer ça. Grande famille heureuse, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Descendance qui réussit. Bah ok, on va prendre ça, de toute façon on s'en fiche. Ces points, franchement. Potion. Potion de jeunesse. Bref. Trait du coup, qu'est-ce qu'on peut prendre? Elle a 3000 points quand même. C'est quoi le must? Super main verte, on s'en fout. Savante, petite mangeuse, fatigue jamais, insouciante, sont jamais tendues. Oh, c'est bien ça. A des relations captivantes, vessie d'acier. Allez hop. Il nous reste quoi? Mentor. Et voilà. Et Clem, t'as des trucs ou pas? Ah, mais t'en as un petit peu quand même. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut te mettre? Trait. Indépendante. On va attendre que t'aies plus de points. C'est bientôt l'anniversaire d'Alexis. Parfait. Bah pendant qu'il arrive, l'autre Bernard, tu vas aller aux toilettes, hein, écoute. Il n'a pas l'air de vouloir se dépêcher. Ah, le voilà. Alors, tu vas lui demander si il est célib. On va complimenter son apparence. Je l'ai fait deux fois. Bon, c'est pas grave. Allez, go! Du coup, offrir une rose. Allez, non mais... Non mais c'est une tombeuse, cette meuf. Il est célib, c'est parfait. J'espère qu'elle va pas se prendre un gros râteau là parce que sinon ça pourrit mes performances. Ça va, il a l'air de se laisser faire pour le moment. Ah, mais comment elle est au taquet en fait. Elle est au taquet la Clémentine, une vraie chaudasse. une tombeuse de ouf. Ah, parfois on peut déjà faire le premier baiser. Bah, fais-le le premier baiser. Voilà, c'est génial. Enlacé. Oh, on va le baratiner un coup, tiens. Oh, putain, le pauvre mec. Ah zut. Bah, on peut pas le faire crac-crac? On peut pas le faire crac-crac. Ok. Pourquoi on peut pas demander de son petit ami, mais on s'en fout. Ah, voilà. Clara, on va s'occuper du petit. Changer la couche. Ah oui, c'est ça. Clara, je voulais que tu appelles des gens. Appelle des gens. Et puis voilà. Hop, Louise, Nolwenn. Hop là. Voilà, c'est bon. C'est génial.
C'est abusé quand on s'en est fait trois d'un coup. Enfin, d'un coup, presque. Allez, salut! Bon, du coup, Clémentine, tu vas aller faire à manger, tiens. Il faut bien augmenter ta compétence quand même. Oh, elle a pas mal pris des trucs. Hop! Et Lancia, t'en es où? Ma petite cocotte. 2 sur 3. Ah, elle est bientôt à 3 là. Bah voilà, il suffisait de demander. Par contre, il est où Seb? Il fait quoi? Viens ici. Toi aussi. Hop. Non, on va faire pipi d'abord. Seb, va discuter avec ta grande sœur. Elantia, arrête de danser, s'il te plaît. T'as besoin de social. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai relooké. Hein. Je pense que ça se voit un peu. Du coup, c'est bon? Non, c'est pas bon. Kéra, si tu peux venir discuter aussi. Hop. Ok, donc tu vas appeler à table. Voilà, comme ça tout le monde va manger. Eh ben non, en fait, tout le monde s'en fout. Et le bébé pleure encore. Aïe aïe aïe. Hop, est-ce que vous pouvez discuter quand même? Parce que là, ça. Mais mange, Clara, qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, le téléphone! Oh! Bon. Alors, raconte une histoire drôle. Fais une imitation. Discuter des centres d'intérêt. Et puis. Discuter de la théorie des couleurs. Depuis combien de temps je filme? Depuis 17 minutes, ça va. Allez, on discute, aïe, on discute, aïe. Ce bébé me saoule. Tu nous saoules, Alexis. Du coup, ça va, ça a l'air d'aller quand même. Raconte une blague perso, je sais pas moi. Plaisanter sur les animaux bizarres. Faire une grimace. Clémentine, je t'en supplie, va t'occuper de ce gosse parce que là, on n'en peut plus, là. Merci. Aïe, 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 sale gosse. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire? À la limite, non, pas écrire, on s'en fiche. Tu vas continuer de pirater. Hop. On va pirater les trois vu que tu te sens très bien. Clara. Ouf, ma pauvre Clara. On va ranger ça. Un pipi, se doucher et au lit. Et Lancia, toi ça va. Tu vas quand même tout nettoyer. Le social, c'est bon. Keraline, au lit. Seb, au lit. Puis bah toi, à la limite, quand t'auras fini de tout nettoyer, au lit aussi. Seb, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit au lit. Sale gosse. Et l'autre qui rechiale. Oh bah tant pis. Hein. Voilà, ils sont mignons. Les bruits que ça fait. Bon. Clara fait dodo. Clara, je sais pas quand est-ce qu'elle va mourir. Oula, ça pue un peu du cul là. Oh, matriarche. Ah, zut, j'ai mon truc de blood qui m'a spammé à la tête. Du coup. Allez.
partira faire pipi à un moment donné. Bah du coup, on va terminer là-dessus, les enfants. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine et salut!